toujours rendez-vous, rencontre avec votre ami Body au missile. Et aujourd'hui, notre rencontre sera avec le maître Patrick Massillon depuis la Floride. Et nous croyons que c'est un habitué. Et c'est un monde qui dédique à ses temps libres, connaissance dans la question de la question de la loi. Et pour éclairer l'antenne, nous, comme vous-même, cap suivre. Et à travers le monde, spécialement aux États-Unis, où on a eu une dernière nouvelle qui est tombée là, en ce qui a trait à TPS, et pour nous autres Haïtiens et vivant aux États-Unis d'Amérique. Maître Patrick, nous saluons, nous disons bienvenue dans ce segment parlant, rencontre-là. Je pense que vous-même, c'est une personnalité, une professionnelle qui passe beaucoup plus. Et je vous dis, c'est dans le cadre de travail que vous avez fait. Et il faut que nous disions, ou pas seulement avocat haïtien, que nous faisons causer avec eux, parce que nous connaissons que ce sont des pièces-là importantes en pile. Enfin, même que nous entrons sous dernière décision, dernière nouvelle, et qui j'en santé, qui j'en cabinet a déroulé, et pour nous capables d'entrer et d'emblée sous segment ça, je veux dire. Nous saluons, frère Boudin, nous saluons tous les amis téléspectateurs. Télé Louange, nous saluer tout staff Télé Louange qui a fait un travail excellent et nous tendez un pile bien de travail que staff Télé Louange a fait. Eh bien, grâce à Dieu merci, nous portons nous très très bien et malgré nous tendez une nouvelle déviante dans l'autre forme de coronavirus qui a fait ravage, spécialement en Floride, côté taux très élevé. Mais grâce à Dieu, nous-mêmes avec famille nous protéger. Nous cacher en basel, bon Dieu. Et c'est tout à fait normal parce que nous-mêmes nous suivons toutes les prédictions, nous suivons toutes les indications scientifiques pour les gens qui supposent besoin de prendre un vaccin et nous observer jusqu'à ce jour toutes les conditions nécessaires pour capable éviter parce que nous connaissons que prévenir toujours vaut mieux que guérir. Donc, nous très bien, grâce à Dieu, merci. Et cabinet a marché très bien. Et nous avons un pile client qui a venu à prendre conseil, n'a pas d'eau, n'a pas dirigé, n'a pas d'eau. Et nous là, nous sentis comme si nous étions phare. Et dans mi-temps, Fort Myers, côté n'a pas éclairé, n'a pas un pile conseil dirigé Mounio. Non seulement sur le point de vue, n'a pas les immigrations et autres sous affaires légales, mais tout sous affaires spirituelles, côté n'a pas appris pour qu'il y ait des pieds, mon Dieu. Puis Dieu, on prend pour faire que c'est mon Dieu qui aime au lieu même qui aime mon Dieu. Parce que si on aime mon Dieu, là, on faiblit à laguer. Mais si c'est bon Dieu qui aime, bon Dieu, je me lague. Donc, tout le bagage très bien. Merci beaucoup. Et nous souhaitons que c'est le même pour vous-même. Yes. Merci bien, merci bien. Rapidement, nous allons entrer avec la question de TPSO. Et pourvu que quelques mois de cela, on a invité dans une rencontre, côté que nous avons parlé, côté que Haïti, nous avons choisi Haïti. Nous parlons de nous, quoi, c'est meilleur casse. Et qui c'est une autorité dans le département ça côté que il a désigné Haïti pour bénéficier de TPS, c'était dans la date 22 mai. Et depuis lors, nous pas jamais entendu rien encore, mais nouvelle là tombée là, ça gagne quelques jours, si nous avons dit comme ça, ou bien quelques bonnes heures. Mais qui dernière information qu'on a partagé avec nous dans ce sens ça, nous t'aimons, mais ouais. Et je dis, qui ça y a besoin et pour appliquer pour TPS là, mais bien avant, qui est-ce qui est qualifié? Et nous avons entré dans quelques petits détails dans ce sens-là. Et qui est-ce qui est qualifié? Et puis, qui j'en ça doit faire? Qui ça y a un ta doit faire dans la minute ça? Et y a un monde qui était là jusqu'au 29 juillet, pour vu que la date là est avancée, y'a avancé la date là. Qui ça y a un doit faire? Bon, il faut me dire, frère Bodi. Après déclaration qui a été faite le 21 mai et 22 mai. 22 donc, mon cher, la question que nous devons recevoir plus, c'était est-ce que 21 mai, c'était point final là? Donc, moi qui vient après 21 mai, toujours après, je me dis, est-ce que, et M. Massillon, M. Patrick, est-ce que nous sommes capables de remplir parce que nous venons après 21 mai? Et ça, nous avons toujours dit dans les louanges, ça nous a dit que tout autant qu'on a publié, nous connaissons qu'il y a une chance pour le changer. Et vraiment, la prédiction, ça a été réalisée, parce que nous avons dit ça en plusieurs reprises, et date 21 mai a changé à 29 juillet, et qui est réellement profitable pour un pile de nos concitoyens, parce qu'il y a un pile de monde qui vient entre 21 mai et 29 juillet, qui a une possibilité pour capable bénéficier avec avantage TPS là-bas. Première question que tu as posée, vous avez dit, est-ce qu'il y a un monde qui est qualifié? Il faut qu'on ait son ressortissant haïtien,
Nous t'ai dit ça déjà. Ressortissant haïtien, hein, c'est pour nous montrer que l'idée dépend de Haïti. Donc, pour nous dire c'est un haïtien capable de prouver lui. Alors, nous allons rentrer dans l'évidence. Dans l'évidence, parce que c'est une croix maintenant qui baille. Nous allons détailler un peu là-dedans. Yo, dans l'évidence, qui ça, chaque évidence capable de prouver. Donc, il faut que nous sommes ressortissants haïtiens et nous sommes capables de prouver que nous avons une dépendance haïtienne, soit avec passeport ou bien acte de naissance et achieved, ou capable de gagner un acte de baptême, acte de baptême, ça c'est extrait. Yo gagne, et c'est extra surtout en cas que vous n'avez pas gagné acte de naissance. Donc, nous sommes tout capable de pour prouver que nous alors c'est nous qui qualifions. Mon qualifié est supposé montrer que il y a un pays avant 29 juillet, il est haïtien, parce que TPS est typique pour haïtien ou bien il y a une relation, il dépend de Haïti. Et il y a un pays là avant 29 juillet, c'est qualification. Donc, comment on peut prouver ces choses? Mm-hmm. Ok, mais, ça c'est question. Sans moins pas interrompre, donc il y a un monde qui est entré après 29 juillet, après minuit, 29 juillet, c'est-à-dire 30 juillet. Il n'a pas même besoin de perdre du temps li, et pour l'y appliquer. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ou bien est-ce que une chance, une façon? Ce sont très belles questions. Frère Maudit, ce sont très belles questions. Parce que je fais une lecture aujourd'hui, je fais une review dans TPS pour m'abgarder. Pour moi, TPS, là, il est très funny. Si on fait une application dans TPS, il faut vous il aller avec l'argent. Alors, si vous il aller avec l'argent, ou pas qualifié, il y a dit là que soit il y a kembe comme là. So, si mon n'a venir après 29 juillet, li voyer comme DPS là aller, il y a dit là que ça, il y a kembe comme là. Alors c'est ça de besoin faire en venir connaît. Et ça comme c'est très important. Et on est pas capable appliquer s'il veut, mais s'il pas qualifié, s'il pas répondre à éligibilité que by 29 juillet. OK, et puis pour capable prouver que ils sont ressortissants haïtiens, eh bien immigration pas pour mettre l'école là, il y a qu'un école là, et puis il y a voué un bel tilet de Bali, dit que le pas qualifié, que l'application l'a deny. Donc, si c'est 30, 1er août, 2 août, 31 juillet, elle vient, il n'y a pas besoin d'essayer, s'il ne peut pas faire du cobla, parce que il y a qu'un école là, et puis il y a l'application deny. Maintenant, moi, t'as même utilisé étant, et une façon vraiment là et de manière intelligente dans le sens que mon cap suivre téléspectateurs et si on monte ses premières minutes ou la suivre et monte ça qualifié c'est-à-dire monte ça t'es ici aux États-Unis avant et jusqu'au 29 juillet et qui ça monte ça besoin pour les appliquer après ça nous va entrer dans notre détail yo. OK comment on capable appliquer pour TPS non on a besoin pour prouver que et lycée yon haïtien li capable prouver que son haïtien avec passeport li yon passeport haïtien qui émet par pays d'Haïti li capable prouver que son haïtien avec un acte de naissance yon extrait d'archive et pour acte de naissance li que capable prouver que son haïtien li capable prouver que c'est yon relation avec Haïti si mon capable prouver que il gagne des propriétés en Haïti. Il y a des propriétés en Haïti, il y a des business en Haïti et qu'il y a habité en Haïti. Donc, il est dépendant de Haïti. Donc, même le monde n'a pas de preuve pour le montrer qu'il y a un passeport haïtien ou bien il n'a pas de preuve pour le démontrer qu'il y a un acte de naissance, il n'a pas de passeport. Si il y a une propriété en Haïti, il y a un business en Haïti, qu'il dépend de Haïti. Donc, le monde il a qualifié la propriété ça. Ça, il a besoin. Pourquoi il a besoin de prouver qu'il était dans le pays là. Pour nous prouver qu'il était dans le pays, ici, dans les États-Unis, avant 29 juillet, il est capable d'utiliser le passeport, parce qu'il y a un passeport qui a un saut d'entrée, la donnée. Mm-hmm. Alors, ce n'est pas tout passeport qui a un saut d'entrée, qui peut servir la donnée comme un anifor. Il n'y a pas un petit 4 un anifor, quelques temps là. Mais un anifor, il est capable de prendre, il est capable de retirer ou retrieve électronique, ou aller dans le website là, ou printer, ou bien le monde qui a payé dollars, avocat. Qui a peu de dollars capable de prendre un anifor pour sous rentrer avec visa. C'est sous rentrer avec visa capable de faire avec ça. Moun qui pas rentrer avec visa, qui pas passer devant et un officier immigration qui vous baille un anifor, si c'était sous frontière là, yon entré, yon gagne plusieurs papiers, yon te capable de baille, yon capable de baille, yon papier et pour parole, pour parole, donc papier ça, yon date la donne, kap prouvé, yon écrit la donne, date où te rentré. Si yon bon papier que yon te lagué,
sous propre recognition sous comme si on était là sous parole par ou même comme si nous connaît que ou kembe parole pour tourner dans tribunal et bien il écrit dans date que tu es rentré ou bien sous un bond ou tu es payé il écrit que tu es rentré dans telle date et puis ou bail un bond et puis ou la gueule donc ça toutes ces preuves qui ont été rentré dans pays là si ou tu es rentré kounya et ou pas passé dans frontière du tout côté aucun officier immigration pas kembe ou ou capable d'une autre façon pour montrer que vous êtes dans le pays. L'autre façon capable montrer que dans le pays a si vous êtes font petit travail en bas ou un pay stop vous capable montrer si ou pas gain bagage ça ou pas capable prouver que vous avez quelques documents et gouvernement tant pour qu'on un driver's license and stuff like that ou capable montrer tout que ou allant l'église ou immigration reconnaître que si pasteur a bon une lettre avec en tête l'église là pasteur a dit que vous êtes yon membre l'église là depuis avant 29 juillet immigration a accepté comme moun ki était présent dans pays avant 29 juillet OK so de pou capable prouver ça ou aller pasteur a capable bon yon lettre et des autres organisations et capable bon yon lettre avec ça capable prouver que était présence dans pays avant 29 juillet so ça c'est deuxième bagarre vous faire pour prouver présence ou comprendre pour prouver que c'est une relation haïtienne yon mande tout pour prouver résidence. Mon résidence là son moi a joué avec. Vous comprenez ça pas le résidence là et soit regarder pour yo bon continuing residence. Jean l'écrit dans fédéral juste là, il y a un peu mon qui petit gens confus là-dedans dans date là. Il y a mon qui pas comprendre entre 29 là et 3, moi je vois plusieurs questions, il y a mon qui dit bon est-ce que c'est 29 là ou bien c'est 3? Eh ben Jean l'écrit en tant qu'on monde qui doit ici en 29 juillet. Si mon dans déplacé li kite Haïti, il pa fè continuing residence jusqu'à 3 août là pour yon même li pa qualifié. Konprann tan pou si moun nan ta pral Haïti, bon ça on capable toujours discuter, on avocat capable font argument avec dit que nous défini résidence parce que résidence avec demeure on, le fait que moun al font visite au côté ça pas dire qu'il change résidence, mais c'est dans langage ça à l'écrit parce que yon mande tout pour bay preuve de résidence dans pays. Ouais jusqu'à 3 août. Yo mande pou bay preuve de résidence jusqu'à 3 août. Yo mande pou bay preuve de présence. Comprenez? Et avant 29 juillet, yo mande pou bay présence physique et puis yo mande pou preuve de résidence. Nan preuve de résidence, nan parfois yo mande pou montre ou papi ou adresse la dan. Nou konnen pa tout moun ki gen. Comprenez? Nou pa konnen tout moun gen. Par exemple, nan ba ou, moun ki rentre nan frontière yo, yo gen yon preuve de résidence pou yo bay parce que lè a plage yo, yo mande ou kote yo pralé. Nan papier yo la gen yon adresse la dan. So il gagne preuve de résidence là-dedans parce que immigration connaît c'est dans résidence ça que mon n'a pas aller c'est là pour résider si bien que gagne là-dedans que il y a moniteur yo mette yon bracelet dans pied yo un bracelet qui gagne qui a émet émission et signal électronique si on déplacé immigration connaît pas dans zone côté te dit pas dans résidence là pas dans et area côté te dit immigration contacter immédiatement pour voir si t'as arrêté. Donc c'est montre que il y a une résidence quand même qui est capable de prouver résidence parce que si c'est pas dans ça il y a demandé l'autre monde qui était déjà établi pour yo capable et prouver résidence tant pour si mon n'était pas monsieur Wabil ou driver's license la montrer non seulement présence mais la montrer ou gain résidence tout driver's license là gain nom gain adresse sur la donne et puis gain date yo ba ou driver's license sur la donne montrer depuis qui l'autre était dans pays en présent avant 29 juin puis montrer ou gain résidence tout qui habiter là. Donc toute preuve ça yo c'est yo gain pour prouver c'est présence physique j'en dis hein et ensuite résidence et puis pour gagner yon relation avec Haïti yon ressortissant haïtien comprenez donc pour prouver ça ou capable et normalement qualifié pour joindre. However gain moun tout qui capable pas qualifié là-dedans ni dans le baron si son l'autre point lié sous devrait rentrer là-dedans. Donc parce que nous t'a pas les qualifications c'est parce que nous croit que téléspectateur nous yo gagner yo comme tu as dit ça là, gain besoin yo varié et ou du moins se diversifier tout dépendamment de scénario façon que mon entrée entré donc nous avons que nous servir le plus grand nombre donc tout aspect de regarder nous avancer. OK. Yeah, so dans ce sens tout on dit gain monde qui pas qualifié dans le sens que monde n'est pas qualifié malgré mon gain présence là, gain monde qui gain il est inadmissible à cause de yon un crime que moun nan te commettre.
Donc, il est capable de venir inadmissible. Il y a des gens qui sont inadmissibles. L'ordre du crime, nous pas éterniser sur ça. Non, l'ordre du crime, c'est un monde qui blesse un monde ou bien un monde qui prend des armes tirer un monde ou du moins, est-ce que domestique violence, c'est un monde qui parfois pareil, qui croit grave, nous considérons ça comme crime également. Bon, et ça passe dans le langage et immigration. Crime, il y a plus porté accent sur lui. Il parle de crime violent avec crime qui gagne, ça veut dire moral, turpitude. Bon, si j'en ai quatre cas de turpitude en français. Donc, qui gagne, comme si qui gagne un trait moral. Malgré ça, l'arrivée dans la cour, ouais, avocat, on a viré moral, turpitude. Même si on dit qu'on est français, le beau crime vol, on a essayé de dire que c'est moral, turpitude, pour être capable. Ou bien faire parole, marché. Donc, c'est montre que. Mais l'immigration, c'est sous ça, on sait le crime. Et tant qu'on a parlé, au monde qui fait rap, au monde qui a un petit petit, au monde qui. C'est pas toute qualité domestique violence, parce que domestique violence, c'est capable verbal. On prend. Donc, si domestique verbal, il est capable pas bal. Et même pour on est qui bat, on est qui bat madame, li, ou bien madame qui bat madame. On est qui crase les filles de madame, ça c'est autre chose, ça c'est un bar où il est. On comprend. Okay. Donc, et c'est pas même bagarre avec un monde qui seulement joue madame. Vous comprenez, okay. Docteur, la différence dans la donne. Donc, gagner dans l'infraction, vous êtes capable de faire, et que vous êtes capable de corriger avec un waiver dans ce pièce-là. Au contraire, même, gagner infraction, par exemple, et nous songeons, nous parlons sur ça déjà, quand c'est le monde qui rentre ici, qui rentre avec un passeport américain, comme si vous étiez américain, son mix representation, côté vous rentrez avec un faux passeport, côté que ou pas gagner waiver pour lui soit faire résidence mais soit rempli pour TPS ou rempli un waiver pour lui une chance pour la capable approuver. Il capable approuver un waiver pour TPS là-dedans mais le papa approuver pas gagner waiver pour lui soit appliquer pour green card. Donc c'est montre que qui gens loi immigration qui gens les fluides comprendre les marchons côté le pas marchons l'autre. Donc c'est comme ça bah yo. Donc gagner monde qui capable gagner complication c'est ça que fait. Si on m'en rele ou besoin d'un petit pièce là, moi, est-ce que tu as un petit pièce là déjà? Non, parce que c'est la première fois. Je suis obligé de faire un assessment pour moi si on m'en dit un dossier criminel. Pour garder pour qui genre de travail on va faire. Parce que malgré nous, presque pas charger rien, il n'y a pas bon non plus tout. Pour nous craser tête, non, pour nous dire, bon, pour te 100 dollars à venir, on va faire un petit pièce dans vous. Et puis, pour nous, si on m'en va monter des 100 dans le côté avec. Donc, il n'y a pas de bon. Alors, nous allons regarder ça et plus tard, avant même que nous. En pause et nous pour aller garder là et il y a un monde qui te gagne TPS déjà est-ce que c'est en registration ou bien la renouveler TPS li ou bien qui j'en cap dit ça bon nous connaît nous t'ai dit ça déjà premier TPS non il parle encore il est vrai que soit garder dans le langage dans le website immigration il dit que moun ki te toujours sous premier TPS là yo et c'est comme si yo extend li comprendre il vient rentrer là-dedans parce que contre la propos style décider là-dedans son langage légal pour troubler moun comprendre donc on capable pas comprendre ni mais normalement TPS avant pas là parce que c'est yo considère comme un re-registration au lieu de pas renouveler c'est pas un renouvellement mais c'est un re-registration parce que obligé réappliquer encore alors bien ou gen ti avantage la dan nan re-registration, moun ki a re-registré yo, yo kapab fè l'online, moun ki a appliqué premier fois, yo obligé fè l'en papier. Ok. Merci pour précision ça. Merci pour précision ça. Et nous pas le propose, nous pas le propose. C'est rencontre nous avec Maître Patrick Massillon, l'offices of Maître Patrick Massillon depuis Floride, Fort Myers, et il y a un avocat qui est toujours disposé et disponible pour porter un peu d'informations pour nous, surtout pour les amis qui sont en Floride. Et je dis, nous avons regardé la question TPS, l'application là, et c'est bon pour appliquer. Nous proposons, là nous retournons nous pour regarder de qui date à qui date que vous pouvez appliquer et également et combien que l'a coûté pour même qui t'avait appliqué pour TPS. Là. Nous avons rappelé où et segment ça, c'est rencontre sur Télé Louange, côté que vous pouvez abonner sur channel Télé Louange sur YouTube pour qu'ap gen accès à toute série rencontre yo et avec différentes personnalités haïtiennes et d'ici et d'ailleurs. N'a propose ces rencontres avec Body Homicide Laptona. Jodi a ou pas gen excuse si ou pas branché Télé Louange parce que Télé Louange tout côté.
télélouange.com. Ajoutez télélouange dans les channel sous boîte Roku là ou soit télévision Roku gen la caillou. Download ou soit télécharger application télélouange là sous téléphone ou soit iPad, tablette qui nan men là. Et puis tout, dans même application ça, les cliquez sous trois petits points dans coin à droite là ou ka partager application télélouange là à qui l'autre monde, like us on Facebook, follow us on Twitter et Instagram ou ka même contacter nous à partir de l'application ça. Pas oublier, même côté là, ou ka dit sur remet application qui donc banion 5 étoiles, j'en béni sous télélouange. Oui, ou bien sous les louanges et ou informer également. Ces moments d'information qui est extrêmement important parce que nous autres et nous, l'homme dans sa totalité, avec vous, Maître Patrick Massillon, depuis l'Office of Maître Patrick Massillon à Fort Myers. Avant pause, là, nous t'ai dit que nous parlons deux aspects de la question rapidement. Alors, je voulais faire rappel ça. Il y a un monde qui a gagné un TPS déjà, l'a réappliqué. Et ça a fait en ligne, il a fait sur net là. Il y a un monde qui pour côté gain TPS et qui était là jusqu'au 29 juillet dans pays hein pour pas appliquer et à partir de hier pour faire application et prêt il y a un monde qui pas appliquer qu'on est là donc c'est papier donc on gain pour imprimer application hein remplir et puis et vous y aller par poste office ou FedEx ou bien n'importe quel autre moyen qui gain mais Patrick on nous garder et nous souhaitons garder là qui ça on a besoin mais c'est combien cop que ça coûte pour application yo nous connaissons différentes formes et ba nous quelques petits détails et dans sens ça bon et c'est une très belle question et TPS dans marché de pair avec yon ça relé EAD employment authorization documents et comme ça EAD ça veut dire c'est petit cadre travail là on prend petit cadre travail marché de pair ensemble avec normalement, combien de fois on a besoin? On a besoin $50 pour la forme TPS à lui-même. On a besoin $410 pour papier de travail, employment et autorisation document. Et puis, on a besoin $85 pour biographics. Donc, comment expliquer? Empreinte digitale. Yeah, but c'est ça que je vais expliquer. Biographics, ce n'est pas seulement pour empreinte digitale, c'est pour photographe. Avec un digital et signature. Donc, c'est ça que fait, on n'a pas besoin de payer, faire photo pour mettre dans l'enveloppe là. Parce que là, on aller pour faire un point là, il y a pour faire photo autour et il y a pour signer électroniquement. OK? Donc, so, on n'a pas besoin de mettre photographe ou la donne. On n'a pas besoin de la donne. Parce que comme vous payez $45, là, aller pour photographe, là, aller pour fingerprint là, et puis là, aller pour une signature digitale. Donc, c'est pour ça, il y a $45. Et. Ou pas besoin bail comme yo séparé non plus tout. Ou capable écrire gros chèque, immigration accepté personnel chèque. OK? Il accepté money order. Raison fait toujours encourager client yo pour utiliser personnel chèque, c'est parce que l'envoi package là aller même l'organ tracking ou à suivre qui l'est arrivé, ou toujours besoin connait qui l'immigration a travail là-dedans. Quand yo cache chèque là, ou garder soit 40 ou comme la sortie, ou connait a travail là-dedans quand même. Donc, c'est ça que je toujours au conseil. Ensuite, il y a un pile côté qui vend money order. Il va dépasser $500 et obligé à boire deux money order. Il va l'acheter ou dépenser pour lui. OK? Mais pour y en, si vous avez un personnel chèque, ou avez un seul chèque. Ou avez un chèque pour $545. Parce que j'aime ça, $50 plus 410 plus 85, il va $545. Donc, total, là, on regarde. Ouais. Donc, vous gagnez $50 pour I-821. Qui c'est et forme pour TPS là. Yes. Et puis $80 c'est pour signature électronique là, ça nous le biométrique là. C'est ça? $80 yes, c'est ça, oui. Et puis il y a $410. $85 là, il est pour 85. $85 là, il est pour un point électronique photographe avec une signature digitale. OK. Donc, et c'est puis, ça, au fond, fait leur aller avec. Ça, qu'on n'a pas besoin de mettre photographe là-dedans encore. OK. OK. Ensuite, et $410, c'est pour quatre travail. C'est pour quatre travail. Et toujours, yes, toujours conseiller client mieux pour remplir papier de travail là pour Timoun. Même les Timoun n'ont pas le travail, mais pas en bas âge. OK. Timoun n'ont pas payé pour biographique là, $45. Mais ils ont fait le payer pour quatre travail là. Quand on a dit mon petit monde en bas 14 ans,
et presque dans toute cité, tu ne peux pas permettre si mon n'a 14 ans de travail. Well, oui, ça c'est sont... avec papier, puis il faut dans l'agence gouvernement, c'est avec quatre travailleurs qui permettent que Timon ait un social et qui permettent que Timon ait une identification. Et au besoin social pour petit toi, il met ses partenaires taxes seulement, mais dans l'école là, la bombe Timon ait un social, dans tout côté le bois aller, même là, mettez-nous en assurance médicale, il y a un mandat pour mettre social Timon. On prend au besoin de toute bagaille, au besoin social Timon, c'est ça qui fait l'important. Ou paye 410 $ malgré Timon n'a pas le travail pour Timon n'est capable de gagner et quatre travail là qui a aidé le gagner tout document ça et participer dans tout bénéfice ça parce que si Timon n'a pas le social ou pas quand on vend banque 40 pour lui il pas capable participer dans et on paquet plein de bagarre donc c'est ça qui fait l'important même le ou connaît Timon n'a pas le travail pour faire quatre travail pour lui dans $410 et pour quatre travail là donc c'est dans ça ça comme toujours encourager monde alors son dif ouais mais dans bon différence dans prix là va vrai parce que si on a gagné un petit de 14 ans il pas besoin payer $45 so dans $545 ou après tirer $45 pour petit monde qui en bas 14 ans et pour grand monde qui gagne 70 ou plus grand monde qui gagne 70 ou plus si monde moins que 14 ans grand monde plus que 70 ans pas payer pour biométrique là il va payer pour lui c'est ça. Il va payer pour lui. Mais ou. Donc, however, il y a un tout qui est capable de gagner l'autre caisse qui l'ouvre. Donc, pour moi, il y a un caisse asile. Il y a un monde qui a une caisse family qui est pending et qui n'a pas. Il y a un certain, il y a un petit genre qui a sorti. Mais il y a un papier de travail. Sous sens, tu n'as pas besoin de papier de travail. Il n'y a pas obligé à faire le papier de travail. Il est capable seulement de faire cette pièce là comme un backup. Ou faire I-821 seulement. Ou faire I-821, mais il faut payer $45. Biographics là quand même pour l'immigration pour le faire petit comme là c'est ça c'est ça c'est ça maintenant il y a un monde qui t'attend et qui applique pour asile là qui t'attend mais qui pour gagner réponse type IS tombé qui soit ta va conseiller monde ça tout le monde qui remplit pour asile qui a prétend m'baille tout conseil remplir type IS là pour plusieurs raisons raison qui plus importante là si monde n'a à peine appliqué pour asile là surtout il faut le retenir un an avant que vous le qualifiez pour l'appliquer pour papier de travail. Ça veut dire que si vous avez le travail, vous avez le travail, Jean Mounioré est imbattable illégalement. Pendant ce temps, TPS n'a pas l'accès pour commencer le travail normal, il a bien papier de travail immédiatement. OK? Très important. Deuxième importance, qui est encore un point important encore, c'est que dans le jour, dans le dernier jour, ça, nous avons l'application asile, le taux qui passe à très minime. Nous ne pouvons pas dire à 99%. Pas passé, mais le prêt 99% de monde qui a appliqué pour asile, oui, se deny. Nous t'avons posé. À cause de cela, il est beaucoup mieux pour un backup parce que si vous n'avez pas de TPS là, qui est ça, asile ou un, le deny, il a mis automatiquement sous déportation. Mais si vous avez un TPS là comme backup, vous avez prêté sous TPS là et vous avez mis sous déportation automatique. Est-ce que ça veut dire, après 18 mois de TPS là, il y a un monde qui a appliqué pour asile, il y a une possibilité. On nous dit, après 18 mois, il pas continuer TPS, hein? C'est pas ça que tu as souhaité. Okay. Est-ce que Mounsa a recommencé avec le processus et application asile? Est-ce que ça veut dire? Processus asile, là, par exemple, stop. C'est pas recommencer. Okay. Quel que soit le cas, parce que TPS, ça va pas déranger rien, il pas craser rien, il pas déranger rien, mais seulement son bac oublié, en cas que l'autre bail va marcher au bon côté pour appuyer. C'est ça. Ok. Okay. Et qu'en est-il d'un jeune ou bien n'importe qui qui a un visa d'étudiant? Qui déjà apprend cours dans une université ou bien dans un collège, et qui okay. Ça va suggérer, Mounsa? Très, très, très belle question, parce que l'immigration, tu penses avec les jeunes, ça gagne F1 et tout. Et pendant que les publiés, TPS pour Haïtiens, les publiés tout dans le Federal Register, que les élèves qui gagnent F1, normalement, ils ne sont pas qualifiés pour être travail dans les États-Unis. Mais à cause que le pays a un problème, non, et que yo ba yo TPS là, avec F1, non, moun n'a pas besoin, élève là, pas besoin à l'appliquer pour TPS, mais il est capable d'appliquer pour papier de travail là. Immigration ba l'autorisation pour l'appliquer avec F1 non, pour papier de travail là. Chose là, seulement dépenser $495 là. C'est 410 plus figure pour être là, $495. Ça n'a pas besoin changer statut pour le mettre dans TPS et pour le prendre F1 non. Alors, ça c'est ça, c'est une façade de la donne. Mais si l'élève là presque terminé et programme,
programme F1 nan, tant qu'on est en fin d'année là, la fini programme nan, et que normalement, il faut le tourner en Haïti. Mm-hmm. OK? Donc, Simtali, alors, conseil d'Abali, puisque, et dans la date que vous avez TPS là, et qui est réellement bon année ça, parce que vous avez pendant toute durée de TPS là, vous êtes capable d'enregistrer. Donc, c'est okay. Immédiatement que. Alors, lors de notre durée, donc c'est 3 août jusqu'au 3 février. Du 3 août au 3 février. Limite, c'est le dernier jour. 3 février, vous êtes capable d'enregistrer. OK. Vous êtes capable d'enregistrer. So, mais Patrick, nous avons une parenthèse pour nous faire là même. Qui sens li fait pour appliquer 3 février 2023? Ah, mais c'est ça, Mabdou. Sens li fait pour appliquer et 3 février 2023, li vin ba ou, ça a eu gain unlawful presence, unlawful presence qui gain. Immigration contrôlée, unlawful presence, li additionne chaque jour qui a fait unlawful dans le pays. Okay. Donc, si vous appliquez dans le jour, vous avez un TPS là-dedans, then vous effacez unlawful presence. Malgré unlawful presence, toujours trigger par un départ, c'est l'on quitte, mais quand bien même, vous êtes capable de chercher une façon pour vous écraser ou vous êtes unlawful pendant un certain temps, vous appliquez votre TPS là, then vous n'avez pas unlawful presence. Mm-hmm. Donc, vous n'avez pas là illégalement. Bon, okay, vous pensez que exactement. Nous couvrons. Oui, vas-y. Yeah. Mm-hmm. D'abord, d'autant plus, et nous tendez que ça parle en pile. Et que monsieur dans la chambre dans Washington yo compté pour yo rentrer et une petite partie immigration dans ça les reconciliation bills et moun yo déjà considéré la donne et dans yon dans bill qui déjà passé dans house là yo considéré moun qui gen TPS avec moun qui gen DACA. Mm-hmm. Donc yo considéré ça en pile so nouveau ressortissant haïtien kounya yo qui a appliqué pour TPS dans là yo gen un espoir que si bill ça passé malgré ta EODE, malgré Kaka Babien, alors malgré nous ne connaissons pas exactement ce qu'il y a dans la ville, mais il y a bien une chance pour participer s'il passe dans la réconciliation de la ville. C'est ça, c'est ça. Bon, je pense que nous couvrons le dossier un peu, je ne sais pas si vous voulez qu'on voulait ajouter, nous avons couvert là, qui ça a besoin pour appliquer pour TPS là, et combien de cobles écouter, nous même garder. Et il y a un monde qui a déjà gagné un TPS déjà, que le monde ça lui-même lui a réappliqué, ça a fait en ligne, sous net là, sous déjà gagné un TPS déjà. Si on pas appliqué pour une première fois, pas de gagné déjà, et c'est ça où les copies conformes là. Donc c'est rempli sous papier, on a pour imprimer, formuler, et puis rassurer que vous allez dans le post office, et puis faire ça où les certified mail. Et pour cap vous y aller. Donc, mais Patrick, zami yo toujours me connaît, est-ce que ou limité à Floride seulement et pour yo même qui t'a voulu appliquer pour TPS là? Non, nous pas limité à Floride, nous et quand il s'agit de fédéral et nous tout affilié tout nous c'est un membre d'avocat fédéral so, et quel que soit loi qui en bas fédéral dans n'importe quel côté dans n'importe quel territoire américain including Puerto Rico, Virgin Islands, Saint Thomas, nous capables de représenter un monde normalement dans une affaire fédérale. Donc, dans l'autre état, nous seulement, il y a un avocat Floride, si c'est un bagage local, si c'est un bagage state, si c'est un bagage qui est en bas en loi locale, donc c'est dans Floride seulement. So, si dans Massachusetts, dispute ou en session, c'est de penser en bas loi Massachusetts lié, donc on va obligé de contacter un avocat dans Massachusetts, mais si c'est et on dispute qui en bas en loi fédérale, nous capables de présenter sans tête chargée. Donc, vous demandez si vous devez additionner, nous pas de parler de papier feu de route, nous pas de parler de autorisation de voyager. Donc, parce que il y a pile monde qui a demandé ça et il y a monde qui relève qui parle avec moi. Alors, il y a pile là d'ailleurs, moi, première question, demander est-ce que appliquer pour asile, je dis oui. Et puis, je me dis, ben, bon, soit appliquer pour asile, je conseille pour appliquer pour papier de travail pour aller visiter Haïti. Mais je dis, non. Et je applique pour asile parce qu'il y a couru pour Haïti. Mais si on va le visiter, on va visiter l'autre pays. Donc, il y a son bel point lié. Donc, je me mets dans l'air. Et sous, avec TPS là, on qualifie pour faire une demande de ça, les Advance Parole, côté au bon fer de route, qui permet de rentrer dans le pays. Ou sorti, n'importe qui est capable de sortir, mais c'est vous rentrer. Vous n'avez pas capable de rentrer encore. Sous sorti sans autorisation, vous n'avez pas capable de rentrer.
gen moun ki comprendre depuis gen ti kat travail là yo ka paraît montrer dit mais kat travail moi m'a rentré kat travail là pa bon autorisation pour rentrer dans pays kat travail là seulement bon autorisation pour travailler dans pays par contre si comprendre ça m'a tout là c'est ça donc c'est ça. Rentrer ça son l'autre chose faut gen autorisation faut mandat autorisation et application c'est $575 plus fingerprint. Mm-hmm. Si on moun fait pendant la fête TPS là, il pas charge deux fois pour fingerprint, on va avoir $5. Soit mm-hmm. seulement additionner $575 sur $545, on va faire $1120. Mais est-ce que suggérer on moun fait tout en même temps ou bien tant que on gagne TPS là appliquer pour faire de route là. Bon, si moun connaît date, il t'a même parti, hein, il veut faire le pognon capable faire. Mais s'il veut qu'on connaît date là, d'un mieux vaut le rester parce que dans l'application faut ba on date ou ta vle parti a at least non non qui époque ou te vle parti a comprend pour ta vle quitter pays pour mettre la donne donc nous n'est capable pour décider li fait dans le futur mais et la pral obligé payer $45 encore c'est ça m'dab tout à l'heure et même moun qui gen l'autre caisse donc moun qui rempli asile moun qui gen l'autre caisse et family ou te gen tant fin for fingerprint ou voyez comme aller kounyan pour fingerprint kounyan. C'est pas étonnant, immigration écrit dit bon, niel déjà, ni fingerprint tout déjà là dans record moi, m'pa pas le faut faire fingerprint comme on pas promettre comme là. Donc et si vous voyez application aller sans comme là, il va retourner le bas. Donc on paye comme là quand même là on pas faire. Donc devle faire mon senti ça. C'est ça. Qui gens téléspectateurs qui a contacté ou pour remplir application ça ou déjà répondre pour nous même si mon au Texas à Georgia un peu partout en Floride, ici, dans Massachusetts, à Indiana, à New York, à Pennsylvania, n'importe côté que mon nom est dans 50 États et 50 États, ou cap aider, ou cap remplir application pour mon yo, ou entrer dans les détails, ou dit que ça a un besoin, ou ben, pile l'autre conseil, faire des recommandations. Maintenant, pour nous cap fini, qui gens ont monde cap contacté ou, et est-ce que, vous connaissez garantie, m'dare mon autant de l'eau ou même, est-ce que 10-40 téléspectateurs, télélouangeurs, toujours de mise, fin qu'on est pour nous conclure, je veux dire. Oh oui, et tout est téléspectateur, télélouangeurs, bon, on discount spécial, et depuis c'est dans télélouange. Ensuite, non seulement ça, tout est tellement spécial que et nous avons autorisation car il n'y a pas de killer. Mais n'importe qui, et tout là dans le sacré Léo, il est capable de témoigner par un téléspectateur, télélouange qui est et m'pa prendre ensemble pour m'parler avec elle, m'expliquer et me répondre questionni jusqu'à ce qu'elle satisfait. Donc et nous fait ça, nous kembe parole ça, chaque fois yo relé, nous toujours prend temps nous expliquer exactement ça au besoin jusqu'à ce qu'elle satisfait. Et pas seulement bah on répond en bref, nous répondre question jusqu'à ce qu'elle satisfait. Et kounyan tout téléspectateur téléloge qui relé nous, il y a un discount spécial, comprend et yo même et au même tout, il y a bien pour yore les télélouanges pour remercier pour bon travail que vous recevez. C'est ça. Mais Patrick, rappelez-nous adresse cabinet. Hein? Nous croyons que c'est écrit sur écran, également téléphone. Non? Comme on dit, et mon yon capri l'eau à n'importe qui l'homme, pas transporter mon yon relé, et pas plus tard que 9h du soir, et lundi, au samedi, au moins, bah mettre Patrick, on pose là, on break dans le jour dimanche. Donc, rappelez les amis, adresse là, téléphone, email, et parce que nous connaissons, pendant que son TPS là, il y a un pile monde tout qui a profité pour, bah, il faut mettre, il y a un pile monde tout qui n'est pas qualifié, qui n'est pas compétent, qui peut charger un paquet de cob, nous t'avons que vous connaissez ou gagnez un avocat pao. Et nous d'ailleurs gagnons ici à Boston et maître Ricardo Bonachi qui c'est nous comme dit c'est avocat télévision qui lui-même cause avec nous déjà nous toujours gagnons avec nous maître Patrick Massillon et des monde qui compétent chevronné en la matière qui respecte tête qui cap fait confiance c'est ça fait et nous venir avec Monzayo pour cap bon détail et c'est pas le TPS là disponible c'est depuis avant ça fait donc rappelez amis yo adresse cabinet hein, numéro téléphone email et bah quelques petits détails qui viennent dans penser pour nous cap conclure aujourd'hui. Nous sommes à Fort Myers, nous sommes à 1380 North Cleveland Avenue. Donc de pour arriver là, on a besoin de nous et téléphone là c'est 265 4403, arrière code là c'est 239 265 4403. Donc nous là pour nous servir tout pour la communauté haïtienne là et qui ont été dans Floride, qui ont été dans l'état n'importe qui côté ou bien ou t'es même outside
ou t'es outside États-Unis ou t'es dans un territoire exactement il y a dans Hawaï, dans Porto Rico, dans Saint-Thomas. Donc nous là pour nous servir et c'est pas nous y est, avocat pas nous y est, nous là pour nous servir dans la communauté. On va besoin d'hésiter. Rêlez-nous, contactez-nous et nous là pour nous parler avant pour nous servir. N'a pas chita à l'aise avec un peu de compréhension et nous là pour nous servir. Pas oublier encore du téléphone, c'est 239 265 4403. C'est pas un answering service qui a pris pour nous, c'est moins directement qui a pris pour nous. Sous ta Aurélie ou Mbapikop, qui ton message, m'a retourné appel là. C'est ça. Zanmi téléspectateurs, tant de conseils ou tant d'informations, ce n'est pas moi-même, moi pas avocat, c'est un avocat qui lui-même travaille sur question immigration, qui a fait ça pendant un bon bout de temps, et je dis qui fournit des conseils sur question ça. TPS là, pour qu'il appliquer, pas hésiter, relayer M. Patrick Massillon, 239. 265 44 03 239 239 265 44 03 pour cap appliquer pour TPS. Si vous avez une question, pas hésiter à les mettre Patrick Massillon. C'est comme ça qu'on a mis fin avec le segment d'aujourd'hui. Rencontre et nous bon rendez-vous très prochainement pour un segment pareil.